En vrai G, c'est la ligue des champions, j'appuie sur champignon. Comme c'est écouté du 93 à Champigny. J'ai faire du 5 à couler, mais j'sais pas danser comme Dylan. Mental en titane, ça fait des boulots comme Urchita. Pico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas lassé. Chez Kip, c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Bah l'équipe, comme d'hab dans cette vidéo, je trouve que c'est pas son cri hier soir aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, comme d'hab, je te casse pas les couilles. N'hésite pas à mettre un petit commentaire et on commence là-dessus tout de suite. Ouais, j'ai bugué wesh. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, on va reparler de la vidéo d'hier pour que vous compreniez bien en gros ce qui s'est passé. En gros, hier, on a Boubac a donné rendez-vous à Mounir et Sadek devant la barrière de sa villa. Bref, regardez. Elle est pas belle la vie, ça dépend. Coucher de soleil, faire une sieste, ça le reposer, ça le vitamine C. Là, dire quand tu viens, tu peux checker la clim. Là, j'ai chopé la crêpe, c'est des fous avec la clim. Il y a l'eau aussi, l'eau, les brossons, c'est jaune quand tu. Quand elle s'allume, on dirait qu'il y a du sable dedans. Cousin. Et Mounir, portail, c'est dans 3 heures, je crois, à peu près. Fais des étirements, échauffe-toi, t'as vu. Prépare ton snap, t'es pas là, je serais vraiment déçu, t'étais prêt à venir à Miami. Là, on est sur place. Ramène Bourgui s'il est chaud, mais bon, je pense pas, parce que la nuit, c'est. Allez. Le cirque est bientôt terminé. Ah là là, ensuite l'équipe, on a vu la réponse de Sadek et on s'est arrêté à là. Impossible qu'ils aient annulé son showcase. Comment ça se fait? C'est lui qui doit pas vouloir santé. Le duc, c'est le patron. Kevin, va ranger ta chambre. Fils de pute, on se danse sur la porte. Ta gueule, maman! Y'a pas de mafia, y'a pas de gang, y'a pas d'équipe. Juste moi et ma femme. Juste moi et ma femme. Et The Little One. Tous ceux qui m'ont rencontré, qui me connaissent dans la vraie vie, je pense que stupide n'est pas le mot qu'on utiliserait pour me qualifier moi, Jojo. Donc tu vas nous expliquer maintenant ce rapprochement avec Marc Blatin, qui a arnaqué des milliers de personnes en France, qui se cache ici à Dubaï, et qui est très coutumier du commissariat ici. Expliquez! C'est le expliquez! Explique-nous! Espèce de merde, sale grosse merde. T'as un stade de France, t'as tout ce qu'il faut. Ça te suffit pas, espèce de grande pute, va. À regarder les stories des femmes des gens, sale pute, va. T'es qu'une grosse p***. Regarde bien, je suis pas difficile à trouver, bordel. Ça fait je sais pas combien de temps que je te le mets, le chemin, là. Le petit rond-point, tu prends là et tu viens. Ah, j'en croise du fan en bas. T'es un fan, toi aussi. Viens. Ah, je vais venir à ta barrière, moi. Imbécile. C'est le expliquer. Pourquoi? Pourquoi ils ont annulé le showcase? Il a été annulé, dis-nous pas autre chose. T'es en train de chercher un autre showcase. Prêt à te produire. Eh, t'es prêt à te produire. Comme un transformiste. Comme ton père. Tiens, regarde, si t'es pas content, viens là. Viens, viens là, juste là, juste là. Y'a pas de parking ici d'Auchan ou je sais pas quoi, mais viens, 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 tu vas voir. Viens, tu vas voir, on va rentrer au Hype tous les deux, pour de vrai. Vous, il a dit à Paris, no cantar, no cantar. À Dubaï, il était plus malin. Il s'est laissé venir. Et après, il a dit no cantar, no cantar. Et où, rentre vite à Miami, a quelque chose pour toi, c'est que tu aimes. Et bah là, l'équipe, on a Booba qui était en train de se préparer pour aller au rendez-vous avec Sadek, Mounir et Marc Blatin. Regardez. Ensuite l'équipe, on a Sadek qui était posé en train d'attendre Booba. Mais le truc c'est que Booba au même moment il était devant la barrière en question, où justement il devait se voir avec Marc Blatin etc. Et il était même avec Marc Blatin. Bref, personnellement je comprends plus rien. Moi il arrive plus à suivre avec toi. J'ai fait le guignol, je viendrai pas, tu sais qu'il était là. Oh, c'est quoi, c'est la sieste qui a duré trop longtemps? Tu étais pas à 9h30 à la barrière? C'est quoi, c'est tu joues sur le décalage horaire? C'est quoi, c'est... Moi, je pars de 21h30 d'ici. 9h30. 9h30 PM. Tu étais où à 9h30 PM? Où? Je suis trop déçu de toi. Où? Mais que t'es mort. C'est le dévoilé. C'est le dévoilé. Il y a le Gébrabus, on va aller prendre le thé là. On va aller prendre le thé. La villa est folle. Hein. Il y a le Rolls Down. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Alors, c'est comment? Il y a Saint-Père. Elle est là, la barrière. Bon, 9h48. Ouais. Là, faut qu'on aille à la barrière. Ah, des problèmes de... La barrière. On va faire l'expertise. C'est du direct live, la famille. On fait l'expertise de la barrière. Sorry, brother, hein. Bon, je vous explique la famille. Voilà. Là, il y a eu des rendez-vous à cette barrière. Vous pourrez venir prendre des photos plus tard. On a Emirates Hill. Il y a les gens qui rentrent. Voilà. Donc, là, il y a les gens qui rentrent. Et là, il y a la barrière. Et là, il n'y a pas...
Et là, il y a personne. On est à 21h47 exactement. Du coup, ça sera direction le tube. Direction le tube, la famille. Il y a un gros cortège là, direction le tube. Ça va être très très lourd. Regarde frérot, je vais te montrer parce que. Vas-y. Faut comprendre l'expertise, t'as gâté. Parce que moi j'ai cru comprendre que Dadju il a un Brabus AMG, c'est ça? Exactement. En fait, Brabus c'est un préparateur, mon ref, tu vois ce que je veux dire? Donc, comme tu peux le constater, tu vois, c'est eux. Donc, c'est fini Mercedes. Ouais. Tu vois ou pas? Et il y a beaucoup d'éléments que malheureusement, il a pas. Tu vois? Genre, t'as capté? Genre, par exemple, ici, tu vois, il y a une aile et lui, il a pas ça, tu vois? Très important ça. Ah, très très important. Attends, il y a un truc moi qui me taraude. Ouais. Il y a un truc qui me perturbe. Tu peux l'ouvrir? Dadju, comment on ouvre? Ah, c'est la vraie clé, hein, c'est la vraie clé. Dadju dans de loup. Parce que moi on m'a dit ça, j'ai pas bien capté quand je postais tout ça. Ouais. Il avait un MG là ici. Ouais, il avait un MG, il avait un MG là et il avait ronce de noyer ici. T'as les cercueils. Non mais ronce de noyer encore, t'as les cercueils, c'est sa place. Là, tu peux pas avoir un là, il y a non. C'est Brabus ici la famille. C'est Brabus ici la famille. Ouais, ouais, ouais. Et il y a bien évidemment. Pierre aussi qui manquait. Non ouais, il manquait le pack LED, ouais, de l'éclairage marche-pied. Hein. Ok, c'est comme ça. S'il a un Brabus GTI quoi. Ouais, 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 ouais. Philippe Patek. AMG. Y a le grippin, la famille. On n'oublie jamais le grippin pour le petit déjeuner. Ouais, celui-là est magnifique, celui-là. Violet, intérieur Hermès. Incroyable. Brabus 700. Très, très beau. Si tu veux inspecter ma montre, hein. Ah, c'est pas du toc, hein. C'est de okay, l'expertise. On est bon, on va au tube. La famille, on est sur Snap, première mondiale. Rendez-vous au tube, Hassoun. C'est Blata, il m'a dit de faire ça. Cette équipe, pour mettre vite fait de clash entre Booba et Sadek de côté, on va parler de la fille du boxeur Floyd Mayweather, qui s'appelle Yaya Mayweather. En gros, elle risque 20 ans de prison ferme pour avoir poignardé l'une des copines de NBA Youngboy. Donc franchement, sur le coup, c'est un truc de ouf. Ensuite l'équipe, on a la crime qui est en conflit avec Walid Mustafi pour escroquerie, etc. Suite à ça, il a lancé une traque sur ses réseaux contre lui. Comme tu peux le voir, il a publié cette photo et il a dit « Walid Mustafi, grand voleur, vous le connaissez lui, envoyez-moi un DM, envoyez-moi un message privé, t'as capté ?» Et bien comme tu peux le voir, il y a une personne justement qui lui a dit « Laisse tomber, comment je le cherche depuis, très gros escroc lui, il a volé beaucoup de monde. » Et comme tu peux le voir, la crime, il l'a remis en story et l'a écrit « Ça commence, comme quoi la traque commence, t'as capté ?» Et ensuite, il a affiché un compte Instagram et il a dit « Sa femme apparemment. » Et il a identifié justement la femme en question. Ensuite, tu vois, j'ai voulu me renseigner un petit peu, puisqu'en fait, je savais pas qui était Walid Mustafi. Donc j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur des trucs qui étaient pas mal. En gros, il s'agit du patron de Mostakos, reconverti en conseiller en business. Donc voilà, et c'est pour ça que la crime après, tu vois, il l'a mis en story. Puisqu'en fait, d'après la crime, il aurait escroqué de nombreuses personnes. Donc c'est vraiment chaud, je vous tiendrai au courant s'il y a du nouveau. Ensuite l'équipe, avant de continuer l'actu, je voulais vous présenter un rappeur qui s'appelle Big Use. Ouais, manie, je me tape, genre qu'est-ce qu'un pacaro. Chez moi ça fume la frappe, ça nommait même pas KO. Mon corps s'est pied sous terre, mais mon ami à la haut. Non, je suis pas invincible, dis-moi qui aura ma peau. En gros, Big Use, je l'ai présenté il y a déjà un an. Et il avait même fait un concours en faisant gagner une PS5 et un jeu 3D qu'il avait lui-même produit. Et à l'époque là, c'était vraiment une galère pour trouver une PS5. D'autres personnes qui font Zerma et qui se la pètent, mais c'est la Zermi. Ils veulent sortir l'épée Zelda, mais y'a plus de couilles, gros, y'a plus de bandits. Enfin bref, et tu vois, Big Use, il a pas chômé ces deux dernières années. Puisqu'en fait, il sort son 3ème EP de 5 titres en 2 ans. Et il a d'ailleurs déjà dévoilé cette semaine la tracklist de son EP sur son compte Instagram qui s'appelle Big Use. Je comprends pas. Poteau, je comprends pas, y'a pas un bal dans leur compte. Ils se demandent combien je touche moi. Et va là-bas. Et à savoir aussi qu'il sort aujourd'hui le premier clip de son EP qui s'appelle Laisse-les parler, que vous pouvez aller checker sur sa page YouTube. Donc je vous invite vraiment à aller voir dans la description l'équipe, je vous mets tous les liens, etc. Et pourquoi pas mettre un petit Fico TV, ça fait toujours plaisir l'équipe. Cette équipe, on a Booba qui va bien faire un showcase au final. Donc en gros, il a pas été annulé, mais il a été reporté. Donc vraiment désolé pour la petite erreur que j'ai faite hier dans ma vidéo actu. Bref, regardez, Sadek il a réagi en disant « T'as été obligé d'organiser en urgence et de reporter. Je t'ai baisé sur ton propre terrain. Je suis trop fort, j'ai le bras long, le vrai et je te baise. » Avec plusieurs soins, il est mort de rire. En cette équipe, on va parler des albums qui sont dispo aujourd'hui. Enfin, pour ceux que j'ai réussi à regrouper. En gros, on a Django qui sort son projet qui s'appelle Atanor, qui est dispo aujourd'hui. Ensuite, on a Elams qui a sorti son album Thug Life, qui est disponible aujourd'hui. Ensuite, on a Espion et JD qui a sorti son projet Sourou 2 Partie 2. Et personnellement, je l'ai déjà saigné, donc franchement, il est grave lourd et je vous invite à aller l'écouter. Ensuite, l'équipe, on a Bakary qui a sorti son projet qui s'appelle Surécoute, qui est dispo depuis minuit. Ensuite, l'équipe, on a le retour de IAM qui ont sorti leur album 3ème Vague. Et celui-là, je suis obligé de vous le recommander, l'équipe. Car en fait, IAM pour moi, c'est des piliers du rap français. Ensuite, pour finir sur les sorties d'aujourd'hui, on a SO La Lune qui a sorti son projet Première Faille, qui est disponible aujourd'hui, comme tous les albums que je viens de vous citer. Ensuite,
équipe, on a la rappeuse The Joyce qui a donné son avis sur Aya Nakamura. Car en fait, Trey Musa, il disait comme quoi c'était du rap, etc. Et bah, regardez la réaction de The Joyce. Nakamura fait pas du rap. Non, mais c'est l'urbain, c'est l'urbain. Non, c'est pas de l'urbain. Elle chante, elle chante. Fred, excusez-moi, vous êtes des professionnels de la musique, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas nommer les styles de musique. Aya Nakamura n'est pas une rappeuse. Tu sais, c'est quoi du rap? T'en reçois des gens tous les jours ici. Elle fait pas du rap, Aya Nakamura. Aya Nakamura, elle fait du zouk limite. J'ai envie de te dire, c'est une chanteuse. Elle est noire, donc c'est de l'urbain. Voilà, la vie de ma mère, c'est ça. C'est une réalité. Et je peux même pas leur en vouloir, on est en France. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. En vrai, j'ai c'est la Ligue des Champions, j'ai un peu son champignon. Comme c'est écouté du 93 à Champigny. J'ai fait du 5 à couler, mais j'sais pas danser comme Chilan. Mental en titane, ça fait des boulots comme Chita. À ça, j'connais Chita comme Billy, c'est la rue. À Boba, j'ai un coco, toujours pour la coco. J'ai des sœurs canelles, à quoi pas, venez manger à loco. Des trucs. Voilà, donc voilà l'équipe, 63 hier soir aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop longtemps, n'est-ce pas, mettre un souci en référencement, mais c'est que je t'en parle dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu m'as un 2, 3 puis là, c'est juste pour référencement. Je te mens pas, ouais, là j'ai encore une fois bafouillé, mais là cette fois-ci c'est parce que j'avais plus d'air, tu vois. Si ça rend fou. Et au passage, j'ai fait encore deux t-shirts, mais vas-y, tu sais quoi, je les montrerai pas en vidéo. Je vais attendre un petit peu, puisque ben je pense que vous vous en battez les couilles en fait. Ouais, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine de mes vidéos et une nouvelle exclu. J'allais oublier cette phrase. Bref, peace les gars. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé le sommeil. La lumière est loin, mais pour ça qu'on persévère. J'ai pas mon père, mais j'ai la force de ma mère. À trop traîner avec des merdes, ça laisse des verres. Je suis au violet, et d'un coup je repasse au vert. Je suis pas le gars le plus coté, mais j'en suis fier.